Armen Rice, 2023. La mission aujourd'hui, la mission, ça va être de prendre un beau départ. Il y a pas mal de monde sur l'eau, donc c'est chouette. Il y a du monde sur cette Armen. S'extirper de la baie de Quiberon le plus vite possible. Et voilà, donc ça va être chouette. Pas mal de manœuvres. Pas mal de changements de voile et de manœuvres au programme pour 24 heures. Les concurrents, on est les seuls dans la catégorie ultime. Mais bon, les concurrents, c'est surtout nous-mêmes, voilà. On continue d'apprendre le bateau, de le faire progresser, naviguer, d'essayer des choses. Voilà, c'est une régate d'entraînement. À chaque fois, chaque navigation, c'est le premier step. C'est de partir du ponton déjà. Tu vois, on ira, on se mettra au Drance Génac sur la tranche. Et puis surtout, t'as l'escape, quoi. Enfin, tu vois, oui. En fait, t'as la barre, t'arrives à attaquer, à mettre le bateau sur une côte, sur Génac. Il a mis les petits Génac. Ouais, c'est un petit Génac. C'est un peu triste d'être tout seul quand même. Hein. Là, on n'est pas tout seul, on est 6 plus toi. Ouais. Bon, et puis ça va être un bon entraînement. Ouais, c'est la vie caline, hein, c'est bon. Ouais, j'ai vu. Un petit peu de pousser, un peu de tout. Ouais, ça va, on est en course. On peut voir des J2. Et là, faudrait border en... Voilà, nickel. Ça va être 1.5, quoi. 0. Ouais, c'est bien, Jacques, pas plus. Du coup, le navigateur est content. Là, il y a eu un petit peu de réussite. Mais oui, ça se passe bien. La place est confortable. C'est moins drôle quand il n'y a pas de copains à naviguer d'autres ultimes. Mais bon, on a de quoi s'amuser entre nous. Hein. On s'auto-congratule. Elle était belle la manœuvre. Ouais, elle était bien. Et on est devant le routage. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur a mis? Non, bien sûr, mais oui. Pierrot, il est juste après, tu vois. C'est par là, mais au moins ça permet de protéger la droite. De toute façon, il faut protéger la droite, quoi. Ouais. Tactiquement, tu veux qu'on attende un tout petit peu, Alexis? Ça va pas trop chuter la vitesse. Ça, c'est le troisième volant du bateau. Ouais, bah c'est le réglage d'incidence sur la dérive centrale. Donc c'est assez pratique et c'est assez intuitif, c'est comme dans les avions quoi, quand tu tires vers toi ça monte et puis quand tu pousses vers le bas ça descend. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après je regarde le petit indicateur là-bas qui me donne l'angle. Là par exemple entre -2,5 et -3 pour garder le bateau à plat. Le petit déj. Ouais.
petit déj de 20h. Encore un peu, encore un mètre. Alors, c'est bon les coups dans le fond là? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Comme dans un avion? Ouais, c'est ça, c'est comme dans un avion mais avec des bonnes turbulences en plus quoi. Ouais, pas de mer, ça bouge pas. Un beau macro. Yep. Il est enfumé là. L'équipe va devoir revoir la polaire parce que elle est pas bonne. On n'a pas encore fini la course, mais en tout cas de tout ce qu'on a fait là, c'était une chouette course. Est-ce que tu trouves que la caméra est assez près de ton visage? Non.